Bonjour à tous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dans le cadre. Donc, ça sera mieux avec les transparents. Donc, le public, c'était l'école d'ingénieurs de Polytech Lyon, donc sur le campus, les ingénieurs de l'université, enfin l'école d'ingénieurs de l'université. Et on s'était rendu compte que, depuis longtemps, qu'ils avaient vraiment une connaissance très transversale qui leur était demandée, donc avec, à la fin, une connaissance sur le cycle complet des dispositifs médicaux, de la conception jusqu'à l'utilisation en établissement de soins. C'est-à-dire qu'on leur demande de bien comprendre toute la chaîne d'utilisation des dispositifs médicaux. Et en plus, donc, les dispositifs médicaux, c'est très varié. Ça va des lunettes aux pacemakers, etc., aux IRM. Donc c'est vraiment quelque chose de très varié. Et donc du coup, ça fait appel à énormément de connaissances. Donc un ensemble de connaissances pluridisciplinaires qu'on leur enseigne comme outil de base, comme base de connaissances. Donc de l'électronique, de l'informatique, de la physique, du traitement du signal et du biomédical. Donc, qui sait ça en sortie de Bac plus 2 ? Personne. Donc, on a un recrutement varié, avec des classes prépa intégrées de Polytech, des IUT, des licences, des classes prépa conventionnelles, et puis des conventions avec des audioprosthésistes ou des pharmacies. Et on se disait, ben, c'est parfait, on a des parcours variés, des connaissances pluridisciplinaires, ça fait un beau melting pot. Les étudiants, ils s'entraident entre eux, c'est génial, ça marche bien, etc. Mais en fait, on n'a jamais vérifié. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si ces étudiants, en fait, ils se parlaient et qui s'aidaient. C'est-à-dire si les IUT, qui étaient un petit peu plus à l'aise en électronique, aidaient les classes prépa, qui étaient plus à l'aise en mathématiques et en traitement du signal. Ça, on le supposait parce que ça nous arrangeait bien. Et de se dire que, voilà, tout allait bien se passer à la fin. Mais finalement, on n'en était jamais sûr. Et du coup, cet aspect-là, ça m'a interpellé. Et donc, du coup, je me suis posé la question, comment créer de la cohésion et puis donc stimuler de l'innovation, parce que, comme on a vu, c'était des connaissances transversales et de conception qui peuvent être utiles. Et donc, il y a aussi le besoin d'innovation. Je me suis dit, comment on pourrait aussi bien développer ces deux soft skills, si je permettais l'anglicisme. Alors je sais que ça va être fait dans les cours de SHS à l'école, c'est-à-dire qu'au sein de l'école, ils vont avoir des cours de sciences humaines qui vont développer ces qualités, mais ça risque d'être trop tard. C'est-à-dire pour le cours de physique, puisque moi je donne un cours de physique sur la physique des rayonnements ionisants, comment je sais qu'ils vont s'entraider pour ce cours de physique-là? Vous allez me dire, bah, j'ai qu'à mettre le cours de physique au deuxième semestre et tout sera bien. Mais au deuxième semestre, ils ont stage, donc c'est pas possible. Et du coup, comme j'ai un petit peu de temps, alors c'est vrai que ce matin, ils disaient, on n'a jamais assez de temps, bah, il se trouve que, comme c'est un peu plus flexible, je me suis dit que j'allais me permettre de prendre 2 heures sur mon cours et de réduire le contenu pour justement essayer d'aider cette cohésion, plus que leur apprendre un peu plus sur l'effet Compton, qui leur servira peut-être un peu moins dans la vie. Mais bon, on ne va pas faire le débat ici. Alors du coup, eh bien, pourquoi j'ai eu cette idée-là et pourquoi j'ai été stimulé ? Ça, je vous préviens, vous êtes dans cette conférence. Moi, j'avais fait une conférence à Grenoble en juillet 2018. Je suis reparti avec plein d'idées, donc c'est ce qui risque de vous arriver, donc faites attention. Ça va vous donner plein de travail, vous allez avoir plein d'idées pour faire des nouvelles choses. Notamment, il y avait un atelier sur les jeux, donc à EPS 2018, et je me suis dit, ah oui, ça, j'ai envie de faire ça. Je vais essayer de faire ça, je vais aussi faire de la classe inversée, je n'ai pas fait tout la même année, mais voilà. Et donc, j'ai trouvé en particulier ce livre-là, donc sur le Get Strong. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais lire ça, etc., et je vois s'il y a des idées qui ressortent. Et les idées qui sont ressorties, ben, c'est de me dire, je vais essayer de regarder ces deux cibles, qui sont la cohésion de groupe pour stimuler les échanges, donc en les faisant réaliser qu'ils ont besoin justement des compétences de chacun, etc.
et puis leur parler un peu d'innovation, faire la distinction entre l'innovation incrémentielle et séquentielle, etc. Donc, pour ça, pour faire passer ça, et puis bon, c'est le début de l'année, il faut qu'ils apprennent à se connaître. Donc, j'ai créé un escape game, et puis je me suis appuyé sur le Spaghetti Marshmallow Challenge, que je vais vous montrer, et puis enfin, un jeu de bilan et formalisation, puisque dans le livre, ils disent qu'il faut conclure par un jeu type bilan, et donc j'ai fait ça. Et notamment, je vais répondre à des questions de Christelle, où vous verrez qu'il y a des réponses un peu étonnantes à qu'attendent les étudiants d'un cours, parce que c'est ce que je leur ai posé comme question, et j'ai eu des réponses assez étonnantes. Vous allez voir que ça fait réfléchir. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait un escape game. Le but, c'était de sauver la chaise du prof, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas les enfermer dans la salle pour des raisons de sécurité que l'on comprend ici. J'y ai pensé, mais on m'a dit non à l'administration. Donc du coup, j'avais pris un cadenas comme ça, dans lequel je pouvais donc mettre 6 cadenas, et 6 cadenas, donc des cadenas différents, un avec des lettres, un qui tourne, et puis avec des chiffres, et puis un avec des clés. Et puis donc j'ai fait des énigmes, avec des énigmes évidemment liées, soit disciplinaires, soit des énigmes pluridisciplinaires, ou des énigmes vraiment généraliste. Je vais vous montrer quelques exemples. La différence, c'est qu'il y avait deux salles en parallèle pour les stimuler, donc c'était la première salle qui parlait. D'accord, oui. Ah oui, c'est vrai que je suis trop bon. Donc je trouvais que ça, c'était intéressant pour penser en dehors de la boîte, hein, et puis donc de faire l'entraide, etc. Donc voilà le type d'énigme. Alors les énigmes, je me suis inspiré, j'ai trouvé des sites web, etc. J'ai fait ça l'été, et puis après j'ai fait des énigmes, vous voyez, une énigme d'électronique. Une énigme, après peut-être vous reconnaissez le braille, mais voilà, il fallait qu'ils comprennent. Alors évidemment, il y avait des super indices, hein, le punctum proximum et le punctum remotum sont confondus. Donc pour ceux qui ont fait un peu d'optique, ça veut dire que vous ne voyez rien, donc vous êtes aveugle. Donc du coup, vous avez le braille, ça il fallait reconnaître un QR code. Vous imaginez même pas le mal qu'ils ont eu avec ça. Quand on dit qu'ils sont doués en nouvelles technologies, je leur ai mis une pastille NFC, Neophyte Communication, donc un truc à scanner avec leur portable, et ils n'ont pas vu ce que c'était. Quoi. Ils voyaient le truc avec les machins, ils ne reconnaissaient pas. Aucun. Bon, j'étais un peu étonné. Le spaghetti challenge, donc ils avaient 18 minutes, 20 spaghettis, 1 mètre de scotch, 1 mètre de ficelle, et un chamallow. Voilà, et donc ils ont fait des choses comme ça. L'idée, c'est qu'il faut vraiment faire quelque chose d'incrémentiel et de tester. En fait, le but, c'est vraiment de prototyper. Donc voilà, ils ont fait des choses comme ça. Ils ont fait 83 cm pour la plus grande. C'était pas mal. Le record est à 140 cm. C'est des ingénieurs qui ont fait ça avec des simulations, etc. Un truc important là-dessus, si vous essayez à jouer avec ça, c'est que le chamallow, c'est bien plus lourd que ce que ça en a l'air. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui ont fait zéro, hein, vous voyez, il n'y avait pas tous les groupes. C'est, ils avaient pris un plan génial, ils ont fait leur tour de spaghetti, et puis juste avant la fin, ils ont mis le chamallow, et là, ils se sont rendus compte que, boum, parce que le chamallow est plus lourd que ça, parce que le spaghetti n'est pas si solide. La tour qu'a gagné, c'est celle-ci, je ne savais pas comment elle tenait. Un mystère encore qui reste à l'égard. Voilà le bilan, donc je leur ai donné sous la forme, je vous donne 100 euros, vous devez attribuer à qu'attendez-vous de votre formation d'ingénieur, donc des 3 ans d'ingénieur, qu'est-ce que vous attendez de cette formation. Vous faites la liste, vous donnez des sous à pour chaque priorité, et après, moi j'ai pris les 3 premières, je les ai marquées au tableau, et ça vous donne cette statistique de répartition, connaissances théoriques et pratiques, bon je m'y attendais, avoir un métier, constituer un réseau, gestion de projet, ok, épanouissement professionnel, pourquoi pas. Là où j'étais plus surpris, c'est que j'ai eu épanouissement personnel. Et là, j'étais un peu plus surpris qu'ils attendent l'épanouissement personnel, parce que je ne suis pas leur père, leur ami, etc. Et je trouve que bon, l'école d'ingénieur, je ne sais pas s'ils leur apportent vraiment l'épanouissement personnel, mais apparemment, c'est ce qu'ils attendent de la formation en particulier. Voilà, et puis travail d'équipe, découverte de la nouveauté, expérience professionnelle, enseignement de qualité, réussite. Il y en a un quand même, à moitié pour rigoler, qui m'a dit aussi les sorties. C'est pas apparu suffisamment pour que ça mette, mais je trouve que
ils n'étaient pas quand même très honnêtes, puisque les sorties dans leur formation d'ingénieur, c'est quand même quelque chose d'important aussi. Mais ils ne le savent pas avant, mais c'était peut-être trop tôt. Et voilà. Donc le bilan, bah, c'est que je pense que ça a bien mis en place la coopération. Au bout du deuxième jeu, comme ils étaient dans les mêmes équipes, ils se sont présentés. Et c'est là où vous dites, ça veut dire que vous avez passé une heure avec quelqu'un, vous n'êtes pas présenté. Et finalement, au deuxième jeu, ils se présentaient. Donc il y a déjà une amélioration. Pour l'innovation, je ne suis pas sûr que ça soit parfait. Adhésion des étudiants, ils ont très bien adhéré au projet. Je me suis bien amusé à faire les énigmes, donc ça c'est bien. Quantification de l'effet, honnêtement, c'est plus difficile à dire. Et puis, beaucoup de travail de préparation. Hein, l'escape game, heureusement que ça m'a amusé parce que ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais voilà, mais c'est réutilisable. J'ai refait le Spaghetti Challenge au 4A parce qu'ils en ont entendu parler par les 3A et c'était jaloux. Donc je leur ai dit, il faut faire mieux que les 3A. Et je leur ai dit, écoutez, je vous donne des points. Ceux qui ont la plus grande tour, je leur donne des points pour leur partiel. Et du coup, ils avaient tellement de pression qu'il y en a plein qui n'ont rien fait. Donc, voilà. Et ils n'ont fait que 63 cm. Donc, voilà.